Jusqu'en 2015, les téléspectateurs ont pu apprécier les 4 saisons de Qui veut épouser mon fils? Cette émission de télé-réalité avait pour but de faire participer les mères de jeunes hommes célibataires dans leur recherche de l'amour. C'est le programme qui a fait connaître les inoubliables Giuseppa et sa mère Marie-France, mais pas seulement. Jazz, Linda mais aussi Stevan que nous retrouvons dans Les Anges 10, ont tous fait leur début dans cette émission diffusée sur TF1. Mais tout n'était pas si rose que ça. Laura Kelly a bien voulu balancer sur les coulisses du show. Désormais connue en tant qu'humoriste et youtubeuse, Laura Kelly était avant ça chargée de casting pour Qui veut épouser mon fils? Invitée de l'émission Swift diffusée sur YouTube, la jeune femme est revenue sur le job de casteuse qu'elle avait décroché pour Starling, la société de production. J'ai détesté ce taf. C'est ce qui a fait que je n'ai plus de télé chez moi. J'ai détesté l'envers du décor de la télévision. Moi je faisais ça parce que j'avais besoin de manger, et je ne ferai plus jamais ce taf. Lorsque le présentateur Maxime Rioux lui demande de préciser ce qui l'avait tant dérangé, elle a alors déclaré: la manière dont on traite les candidats. Les gens sont comme des bouts de viande. On est prêt à faire souffrir des gens, leur faire miroiter des choses, les faire parler de leur vie privée. Laura Kelly a même donné un exemple à peine croyable. Ah tiens, sa mère est morte. Super, on va en parler. Ça va abuser, j'ai trouvé ça horrible. Pour moi la télé c'est l'enfer. Elle a affirmé que tout était monté et faux.